Y'a Playpal, vous allez bien ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai remarqué récemment que ça faisait un long moment que je ne vous avais pas fait une vidéo sur mon Call of Duty préféré, les amis. Et ouais, les gars, moi je l'ai toujours dit et je le répète encore une fois, hein, comme ça. On sait jamais, hein, c'est un peu comme les révisions, plus tu bourres le crâne des gens, plus ils retiennent les choses. Ça fonctionne pas toujours, mais voilà. Mais Black Ops 1 est mon préféré de la série COD et en fait, à chaque fois que j'essayais de refaire une vidéo récemment sur Xbox 360, et ben j'avais un message d'erreur en essayant d'accéder au jeu. Ça me faisait un vieux message d'erreur tout pété, comme quoi les serveurs ne fonctionnaient pas, etc. Donc j'étais assez attristé, assez... Je me sentais rejeté. Je me sentais vraiment, tu vois, c'est pas cool, quoi. Mais, du coup, je me suis dit, bah écoute, il y a forcément au moins une plateforme sur Terre où je suis à peu près sûr que ça va fonctionner, et c'est la PS... C'est pas la PS3. C'est le PC, c'est bon, je vais arrêter de valer la PS3. Mes 2-3 dernières vidéos, j'ai fait que de valer la PS3, c'est pas cool. Vous allez croire que je vous persécute alors que c'est pas le cas. Donc oui, il y a la plateforme PC, bah que voici, voilà, vous voyez, il y a encore des serveurs et des gens dessus. J'ai pu y jouer un peu, le jeu est très très bien. Donc aujourd'hui, ça va être gameplay sur Black Ops 1, 10 ans plus tard, mon frère. 10 ans, alors en plus, je suis en plein milieu du déménagement, de mon déménagement. Là, on est réellement dans les ultimes vidéos dans ce décor. J'ai fait de la peinture, tout ça. Mais ça, je vous en parlais pas dans le gameplay. Quelque chose à vous dire à propos d'un jeu auquel je joue en ce moment, mais c'est pas une OP et ce sera à la fin de la vidéo. Fini le teasing, place au jeu, c'est parti. Attends, y a pas plus Black Ops 5 que cette map quand même. Hein. Je vous le dis, y a pas plus Black Ops 5 que cette map. Tiens, on va jouer avec Galil. Ouais, vous sortir la K47 de la facilité. Et je le ferai, tu me connais la facilité, moi j'aime ça. Oui, je fais partie de ces hommes pour qui le challenge n'existe pas, moi j'en ai rien à foutre. Moi, si j'ai un objectif, si c'est facile à obtenir, je vais pas me gêner. Hein. Vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Oui, ok, hocus pocus, laisse-moi tranquille, connard. T'es les philosophes comme ça qui essayent de te faire croire une notion de mérite, machin, moi rien à foutre. Aïe. Il est un peu loin, lui. Oula, le shoot d'alcoolique. Laisse-moi tranquille, connard. Bon, il est aussi en train d'essayer de me tuer, mais c'est un petit peu chaud, donc on va... Bon, faut dire que même si j'ai pu, grâce à quelques XP lobby, monter niveau max pour avoir mes armes, je n'ai pas tous les atouts en pro. Il y a quand même un petit défaut. Et donc, je me retrouve à des moments contre des gars avec... Oh là là, son head glitch horrible. Je me retrouve face à des gars avec des FAMAS pro, des pirates pro, des tout ce que tu veux pro, et c'est un petit peu chiant. Ah, c'est un petit peu chiant parce que même si j'aime beaucoup Black Ops 5, comme tout bon Call of Duty qui se respecte, il a son petit lot de saloperies quand même, on va pas se le cacher. Hein. Ah, y'a quelqu'un là. Hop là, attends doucement, c'est bon frère. Là, j'avais toujours pas fait de kill en 2 minutes de vidéo, c'est honteux. Hop là, monsieur, des long shots. Mais vos grand-mères avec vos clébards, regarde où il est bête, hein, frère. Tu la mets au milieu de nulle part, tu vas tuer qui? À part un gros paysan comme Zach. Donc non, j'ai passé quelques temps là à préparer cette vidéo, à me dire je vais arriver et je vais leur faire une bonne vidéo, pas comme un gros paillot, tu vois. Pas comme un gros paysan. Pas comme un gros paysan habituel, tu vois, où j'arrive, je joue. Non, je me suis échauffé, j'ai rejoué au jeu, j'ai tenté sur PC, enfin tu vois ce que je veux dire. Je me suis dit on va essayer de... De faire les choses bien! Le double. Oh non, laissez-moi le triple, monsieur. Ouh! Non, mais frère, je veux bien que ce soit un jeu sur la Première Guerre mondiale, sur la guerre froide, sur tout ce que tu veux là! C'est pas une raison pour camper comme ça, monsieur. Attends, à ma droite là? Non, c'est avec 4. Avec 5, maybe. Viens là. Viens là, connard. Hé, hey, connard! Avec tes stuns, là! Oh! SR71, monsieur! SR71, bitch! Toi! C'est Lioui! C'est Lioui! Oh, je l'ai démonté! Ouah, je suis trop fort, les gars! Je suis en train de leur faire des dingueries! En plus, ils jouaient tous en fantôme et tout, trop chiant, silencieux, mamie! Oui! Série 10! Série 10, my bitch! On vous balance ça dans la gueule! Tout de suite, on va finir la game! Et on va finir la game, mon gros! Tu croyais quoi? Oh non! Oh, laissez-moi en profiter un peu! 2, 3, oui! 5 kills! Il reste 1 kill et on gagne la game! 2 kills, 2 kills, 2 kills.
C'est bon, c'est bon. Un kill, un kill, un kill, j'étais en train de me hyper, laissez-le voir, laissez-le voir. Et le juste milieu. Le juste retour des choses. Laissez le kill à l'homme qui vous a, mais qui vous a ratatiné le fion, là, comme ça. Non, j'avoue, blablabla, il a bien joué aussi. J'avoue que je ressens des petites choses sympathiques en jouant à ce petit jeu-là. Donc, en fait, si vous voulez, moi, comme je l'ai dit, je ne joue pas hardcore, parce que le hardcore, bon, un peu la flemme, etc. Tu vois, sur Black Ops 5, ça tombe très très vite en hardcore. Et en plus, sur ce jeu-là, le silencieux était à la mode, tu vois ce que je veux dire. Genre, le silencieux, c'était bien de jouer avec, ça te permettait réellement d'être totalement discret. Et donc si tu vas dans un mode où tu tues vite, même avec le silencieux, sachant que le plus gros défaut d'un silencieux, c'est par définition, tu vois, de perdre un peu en puissance. Alors dans ce cas-là, mec, tu vas péter un boulon. Donc je préfère jouer en normal et je suis content d'être dans ce serveur. C'est un serveur néerlandais. Ils vivent les Pays-Bas pour les vélos, les musées, le tournesol, ainsi que... Et bon frère, ainsi que la bœuf, tu veux que je te dise quoi? La bœuf et les putes, ouais, c'est bon. Tu t'y attendais. Et donc le ping est très très bon dessus, ça joue bien, et je suis assez content de pouvoir enchaîner. Donc c'est des maps comme ça qui s'enchaînent, le classique, tu XP correctement. Bon, t'as même forcément, comme je l'ai dit, des serveurs pour XP un peu plus vite. Après, bon, ça te donne pas forcément les atouts pro, enfin ça te les donne pas même. Il doit y avoir moyen de le faire, tu vois, je sais qu'il y a des gens qui jouent encore, enfin des Français qui jouent encore à ce jeu, je le sais, hein. Je suis arrivé sur le jeu, on m'a dit c'est le vrai Jacques Lanny directement. Allez, dégage. Dégage, monsieur. C'est le vrai Jacques Lanny. Non, c'est pas le vrai, laisse-moi tranquille. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas me laisser aller à la facilité. Enfin, même pas la facilité, j'ai décidé de jouer à la diversité. Dans le sens où, plusieurs fois, là, pendant que je recordais la vidéo, j'ai eu des games possibles sur Nuketown. Sauf que Nuketown, frère... Alors, je sais que certains me diront Firing Rage aussi, ils auraient pas tort. Mais Nuketown, je crois, ça a été la map, si on regarde, la map la plus rééditée dans l'histoire de Call of Duty. Elle est dans Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, Call of Duty Mobile, Call of Duty Alexandra Lederman. Frère, vraiment sur tous les Call of Duty différents, ils ont déjà ramené Nuketown, donc tu vois, quitte à retourner sur un ancien jeu, autant voir des maps qu'on voit pas souvent, même si je suis en train de faire sur même si je suis sur Firing Range et que je viens quand même de mettre un sacré outgun, monsieur, un sacré outgun, je veux qu'on le note. Bon, du coup, je vous avais parlé de mon déménagement, ça y est, là, c'est on est à la toute fin, les gars. Là, je suis dans la dernière ligne droite, je déménage demain, et même si Orange m'a promptement chié dessus à coup de... Monsieur, vous avez votre rendez-vous jeudi dernier, le technicien ne vient pas. Allô, Orange, comment ça se fait que le technicien ne vienne pas? Bah, en fait, vous avez pas de rendez-vous, il n'y en a pas besoin. Tu vas brancher la box, ça va marcher. Est-ce que ça a marché? Non. Est-ce seulement étonnant? Non, franchement, je suis pas étonné. Allez, on avance, on va à droite. Donc je suis dans la dernière ligne droite, j'ai fini de customiser mon studio et l'appart de manière générale. Et franchement, je sais qu'il y en a pas mal qui auraient pu me le dire. Et que je suis pas une référence en termes de physique et de cardio et tout ce que tu veux. Mais ouh, attends, le petit double, regarde, hop. Et juste après, je sais qu'il y a un gars à gauche là, regarde, hop. Non, c'est bon, il s'est fait tuer, let's go. Alors je sais que je suis pas une référence en termes de physique et de cardio, mais mec, j'aurais aimé que vous me dites à quel point... Wouhou, le long shot! À quel point la peinture, c'est physique, mon gars! Oh, deux gars, ils ont spawn ici. Oh, ils se sont fait baiser, merde. Oh non, il est allongé! Eh, vous auriez dû me prévenir à quel point la peinture, c'était physique. J'ai fait des heures et des heures de peinture sur 3 ou 4 jours. Gros, à la fin, j'étais épuisé. Mais j'étais pas conscient, mec, à quel point c'était... Mais demandant physiquement, tu vois, vraiment. Les travaux physiques, laisse tomber, frère, c'est pas mon truc. Je sais, tu vois, dans la vie, à la fin... Tu dois pouvoir être faire en sorte de choisir ce que tu veux faire. Bah moi, on va dire que les travaux manuels, c'est pas mon délire. Ah mec, c'était pas mon délire. Bon, faut que j'arrête de parler, là, je suis en 8-4, ça va. Petit double. Petit triple. On relance, encore. Allez. Allez, bébé. Oh, la petite série de 4. Mais pourquoi vous me lancez des grenades pour interrompre mes séries? Donc là, comme je l'ai dit, j'étais en plein déménagement et j'avais un petit peu, tu vois, le statut de gars de la maison assumé. Donc j'ai fait les travaux qu'il fallait faire. Le truc est joli, je vais pouvoir décorer mon studio en essayant d'être un petit peu original. Je suis en train de me faire un petit tableau, des sortes de petits trucs cool pour avoir un joli décor pour les vidéos et les streams. Et j'avoue que ça me rend un petit peu nostalgique de me dire que je quitte enfin cette chambre, qui est un endroit dans lequel j'ai vécu 10 ans, monsieur. 10 ans, tu te rends compte de passer 10 ans dans la même chambre? Quelque chose, quand même. Ah, bon, vas-y, on rejoue cette map parce que, en fait, c'est parce que c'est la magie du montage, le gameplay que j'avais fait, t'as vu, il y a 2-3 minutes dans la vidéo sur Hanoï, que je me suis repris à 2 fois pour la tournée, il était pas ouf. Donc j'ai pris le début, t'as vu, où je fais une petite série de 3 avec un turn, et après, on 4. Et là, cette fois, on va essayer de faire mieux.
Mais maintenant que je vous dis ça, j'ai révélé les secrets du ninja. Bon, la mission a été échouée, la bonne game sur Hanoï, ce sera malheureusement pas pour cette vidéo. D'ailleurs, je vais essayer de vous refaire une vidéo dans la semaine qui arrive sur Black Ops 1. Dites-moi en commentaire si ça vous chauffe, pour la simple bonne raison que j'ai remarqué que quand je retourne sur un ancien code, en général, je fais une vidéo dessus, puis je reviens genre 6 ou 7 mois après. Alors que tu vois, si on peut avoir un peu de continuité, un objectif, quelque chose à chercher qui pourrait être intéressant à faire sur 2 ou 3 vidéos, bah voilà, ça peut être cool, quoi. D'ailleurs, je vous ai parlé de mon déménagement, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de Story ce dimanche, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps d'en faire. J'ai le temps de faire cette vidéo gameplay parce que ça me prend moins de temps à faire qu'une Z Story. Voilà. Et en plus, ce petit format Z Story vous plaît, donc c'est cool. Et j'ai pu parler avec Zerator, bien entendu. Enfin, avec Dash et Zera. Et ça les dérange pas que je prenne ce nom, même si j'avoue que ça ressemble à Zilan, etc. Je vous avais expliqué la genèse de celui-ci et ça me semblait cohérent. Bon, vas-y, on continue. Radiation, ça c'était vraiment une de mes maps préférées, ça. Radiation, map d'Alpha Man. Surtout quand t'attends comme ça, regarde, là quand t'attends, t'es vraiment un Alpha Man, tu vois. Là t'es un Alpha Male, vraiment, c'est waouh. Regarde, tu te mets dans un coin comme ça et là t'es complètement Alpha, tu vois. Et voilà, et après tu te gunnes les types comme ça, et là vraiment t'es la quintessence de l'alpha mâle. Genre les énormes couilles juteuses comme ça, c'est vraiment que quand tu te mets dans un petit coin de pétasse et que tu. Fais le taf, mon gars, petite série de 3, let's go. La saison des barbecues est ouverte. Chez Zach. Je précise chez Zach, parce qu'à Lyon, mec, on a eu 10 jours de météo dégueulasse. Ah, mais Zach, maintenant tu parles de météo dans tes vidéos, tu sais plus quoi dire. Ta gueule. Laissez-moi vous raconter ma vie et la réalité de ce que je vis. Je suis un rappeur, un artiste. Non, je suis un charlatan. Et donc, du coup, ça a envoyé un premier barbecue ce soir, là, enfin cet après-midi, pardon, chez ma soeur. Ça s'est envoyé, je suis en train de les enculer. Aïe, aïe. Je suis du père, gros, j'en pouvais plus, j'étais en série de 5-6, en plus c'est dommage, le Blackbird est à 8, ça aurait permis de faire des dingueries, mon ami. Wouhou. Donc comme je disais, au niveau des commentaires, si vous avez un défi qui pourrait être intéressant et pas trop casse-couille non plus à faire sur Black Ops 1, genre un killstreak à débloquer, une série de kills à faire, ou genre c'est rien, un truc qui peut me permettre de faire une deuxième vidéo, allez-y. Je vais prendre celui qui a le plus d'upvotes dans les top commentaires, voilà. On me dit pas fait une série de 30, une connerie comme ça, c'est Black Ops 1 PC, frère, c'est pas mon jeu, y a pas de nuque, rien, donc me cassez pas les couilles avec ça. Partez sur des choses dans la mesure du possible. Ça, c'est un truc de scrub. Ça, c'est un truc de mec qui a fait de la recherche et destruction sur ce jeu, monsieur. Je connais les travers, je connais la map. Ça, c'était la folie. Radiation, le gros travers ici, là, il est incroyable. D'ailleurs, le L96, un peu comme le DSR50, c'était l'un des rares snipers dans la série Call of Duty où j'étais pas mauvais avec, où j'étais même plutôt, je te dirais, plutôt bon avec. À l'époque, je faisais du pro mode, c'était un mode spécial en recherche et destruction, et j'étais le sniper de ma team pendant une période, et je me débrouillais bien avec. Et le pire, c'est qu'il avait été mal accueilli, le L96. Genre, on sortait de l'intervention et du barrette, et à l'époque, les mecs, là, tu sais, les vrais Quickscoper of the World et tout, Black Ops 5, je crois que c'était un jeu, juste pour dire, hein, ce qui importait à Call of Duty à l'époque, à Activision, c'était d'arrêter les Quickscopes, etc. Je vous jure, ça leur plaisait pas de voir des Quickscopes, etc. dans leur jeu. Donc du coup, ils avaient voulu le nerf en empêchant... Oh, non ! Qu'est-ce que je suis con ! Mais qu'est-ce que je suis con ! Putain, j'ai le slip sur la tête, j'étais en série de 6, j'allais avoir des streaks trop bien, je suis trop débile. J'essayais de me faufiler avant que ça se ferme. Putain, je pensais que ça pourrait le faire. Je suis vraiment un putain d'arracheur dedans. Mais ouais, à l'époque, ils voulaient nerf les Quickscopes, donc la première version du L96, elle ne permettait pas de le faire et ça avait fait rager à l'époque sur JVC, mon frère. À l'époque sur JVC. J'étais sur JVC, monsieur. J'ai participé à du harcèlement, moi aussi. Non, ça va, je rigole. Hop là! Hop là! Oh, merde, j'ai plus de balles. J'ai voulu pré-shot. J'étais dans une situation de 50-50, tu vois, où tu sais pas si tu dois pré-shot ou non, si ça peut servir ou non. Et malheureusement, j'ai pas osé le faire et j'ai vu quelqu'un là en dessous. Donc regarde, une grue pour le gars au-dessus et des balles pour le gars en dessous. Des balles pour le gars en dessous. Une para pour le gars au-dessus. On monte. Hop, regarde. Une nouvelle para pour le gars au-dessus. Hop, regarde, tu vois, et là, voilà. Bon, bah, je vous ai décrit le process d'un kill superbe. Non, en fait, le kill est banal, mais le process de réflexion a fonctionné de A à Z, donc je bend. Non ! Ouf. À l'époque où encore, on avait de vraies grenades sur ce jeu, monsieur. Oh. Hop ! Les explosions faisaient réellement mal. Allez, donnez-moi une série de 8. Je sais que c'est bientôt la fin de la game, mais donnez-moi une série de 8, s'il vous plaît, monsieur. Eh bien, là, je sais que t'es là, chien. Magnifique! Je recharge juste.
Je me suis tué avec... Non, c'est pas ma propre grenade. Ouf, oh, j'ai cru que c'était la grenade que j'avais essayé de jeter. Putain, le bâtard. Je n'arriverai pas à avoir le Blackbird dans cette game, malheureusement, les amis. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. On s'est coltiné que des drones, mais c'était quand même sympathique comme gameplay. Et c'est le dernier kill, 27-6, une jolie game et un bon ratio pour Zach, c'est ce qui fait plaisir sous les chaumières. Et on analyse celui-ci. Et voilà les amis. Bon et voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, on a fait des gros gameplay, etc, c'est grave cool. J'ai dit en fin de vidéo que j'allais vous parler d'un jeu auquel je rejoue, donc j'en profite, c'est pas une OP, d'accord, c'est réellement une volonté de ma part. J'ai dit dans plusieurs vidéos que je jouais et rejouais en ce moment à Shinobi.fr, c'est un ancien RPG, jeu de navigateur, sous le thème un peu Naruto, où tu peux monter des niveaux, faire Junin, Chunin, Kage, etc. Donc c'est très inspiré de l'univers Naruto, et c'est un jeu où il y avait des dizaines, voire des centaines de milliers de joueurs à l'époque et qui avait été un peu délaissé par son administrateur pendant quelques temps. Il y a du PvE, il y a du PvP, il y a des tonnes de choses à faire, c'est cool. Et l'administrateur est revenu pendant le confinement. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui jouaient à ce jeu à l'époque. Donc si vous avez supprimé votre compte, l'administrateur a mis en place une nouvelle plateforme pour pouvoir récupérer des comptes que tu aurais toi-même supprimés s'il y a des gens qui sont chauds pour revenir. Je vous mets également un lien dans la description des différents Discord des villages où vous pourrez recevoir des conseils, des tips, etc. Si vous voulez vous mettre au jeu, c'est avec grand plaisir, des gens pourront répondre à votre question. Si vous êtes fait bannir à l'époque, il y a également sur ces Discord là la possibilité de contacter des modérateurs pour se faire débannir. Et en gros le but, et pourquoi je vous parle de ce jeu là, c'est pour essayer de refaire vivre celui-ci. Il y a quelques milliers de joueurs qui sont encore actifs, mais s'il y a moyen de faire un petit mouvement de retour sur le jeu, réavoir des anciens et refaire vivre encore plus un jeu qui a fait carrément une bonne partie de mon adolescence, je me permets de leur faire ce petit coup de pub gratuit. Je le referai dans l'intro d'une prochaine vidéo parce que je sais qu'à la fin il reste plus tout. Bon voilà les potes, c'est tout pour la propagande, j'espère que vous avez passé un bon moment. Dans la description, toutes les infos pour Shinobi.fr. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine, les frères, avec le nouveau décor. Bisous!